Père, je prie que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Ça va bien? Cool. Est-ce que tu auras une minute? Ouais. Ouais. Quoi? Tu es d'ici, de Basse-Terre ou... Oui, de Basse-Terre. Ou ça, loin d'ici? Bah, il finit en tout, à peu près 10 minutes. D'accord, ok. Moi, je prie pour les gens, moi. Tu pries? Ouais. Okay. Toi aussi ou ça t'est déjà arrivé? De prier? Ouais. Oui. Ouais. Aussi. Quand ça, quand t'as des problèmes ou... Un peu tout le temps, le soir où j'ai demandé à Dieu la force pour le lendemain. D'accord. Comment ça t'est venu, cette idée de prier? Bah, de la famille, en fait. J'ai été élevé dans ça. D'accord. La plupart des gens en Guadeloupe ont été élevés dans la religion à peu près, quoi, catholique. Ouais. Voilà. D'accord, donc t'es catholique, c'est ça? Oui. D'accord. Tu vas à l'église des fois ou... Pas souvent, je vais pas mentir, pas trop pratiquant. Ah oui? Pas trop pratiquant, ouais. Ouais. Et tu as déjà vécu des choses avec Dieu ou pas? J'ai déjà ressenti des choses, oui. C'est-à-dire que j'ai déjà vu son aide quand j'en avais besoin. Ouais. Mais après, la vie est difficile pour tout le monde, quoi. Faut franchir les obstacles. D'accord. C'est comment ton prénom? Loïc. Loïc? Oui. Moi, c'est Jérémy. Jérémy, ok. Bon, enchanté. Hein. Loïc, moi, j'aimerais vraiment qu'il se passe quelque chose à cause de notre rencontre. D'accord. Ben, j'aimerais aussi. À partir d'aujourd'hui, parce que je crois que t'as soif de Dieu, tu veux vivre quelque chose. D'accord, mon frère. Et la vie est longue, quand même. Mm-hmm. Merci. Et comme tu dis, on a tous des défis, des obstacles, etc. Mm-hmm. Mais ce qui est extraordinaire et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, non seulement Jésus est venu pour pardonner nos péchés, pour nous sauver, nous libérer, tout ça, mais c'est qu'aussi, il veut être le Seigneur, il veut diriger notre vie. Et comme tu le dis, on est dans un contexte très religieux, beaucoup de catholiques, tout ça, mais on sait très bien que parmi tous ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui vivent rien avec Dieu. Si tu as lu un peu dans les évangiles, tu sais, des fois, Jésus parlait aux gens, il y avait la foule qui le suivait. Un jour, il a dit à la foule, il s'est retourné vers la foule qui est en train de le suivre par milliers. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. D'accord. C'est ça. Tout le monde doit porter sa croix. La première chose. Uh-huh. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, charger sa croix? C'est accomplir la volonté de Dieu. Okay. C'est que ça, c'est vraiment la première étape. D'accord. Mais si c'est... Il faut tout abandonner. Et moi, vraiment, l'encouragement que je voudrais te faire, c'est... Lorsque tu pries, tout ça, c'est bien. C'est une bonne chose de prier et tout. Mais c'est de tout lui donner, en fait. D'accord. Toi, de lui donner toute ta vie et... C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. J'essaie de faire le bien autour de moi, tu vois. Ouais. Je crois surtout beaucoup au karma aussi, tu vois, le positif. D'accord. Si tu fais le négatif, tu vois le négatif. Si tu penses positif, tu vois le positif. Ouais. C'est sûr qu'on récolte ce qu'on sème. Voilà, absolument. Ça. Maintenant. Donc, j'essaie de faire du bien pour récolter du bien, quoi. Ouais. Et Jésus, c'est qui pour toi un peu? Ben, c'est le père spirituel, non? Le père spirituel? Entre guillemets, le fils, oui, le fils. Le fils? Spirituel. Le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Ouais. Tu crois en lui? Oui. Tu crois qu'il est venu? Mais si. Ouais. J'ai été élevé dans ça. Ouais, mais c'est quoi ta foi réelle par rapport à lui? Je peux pas te dire vraiment, en fait. Ouais, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop. Tu pourrais l'inviter, en fait, tu sais. Ah ouais? Mais des fois, je vais souvent avec ma mère dans des endroits où on prie, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça... Normalement, on dit quand il y a une personne, deux personnes réunies en son nom, c'est ça, ouais. Quoi, voilà. Mais... Je pense que... Si tu veux vraiment que ta vie soit transformée, moi par exemple, tu vois, j'allais à l'église et tout ça, j'ai lu la Bible et tout. Et c'est quand j'ai vraiment décidé de mourir à moi-même, ça veut dire d'abandonner toute ma vie entre ses mains. Et que j'ai décidé dans mon cœur de plus contrôler
j'avais pas de deuxième plan, tu sais, au cas où entre guillemets ça marche pas. J'avais pas de. Tu l'as fait. C'était vraiment le Seigneur et lui seul, tu vois. Ouais, tout lui donner. Il faut oublier quel caprice en Italie. Tout lui donner, tu vois, complètement. Je l'ai croisé dans un magasin il y a quelques jours. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire circoncis, c'est pas une bonne chose. Même s'il a des problèmes. J'ai pas trop envie de parler là, monsieur. Il y a des gens qui ont besoin du Seigneur, tu sais. Mais Dieu, il veut que tu puisses tout lui donner. T'inquiète pas. T'as quel âge ? 29 ans. 29 ans. Dimanche à 29 ans. Ah ouais, dimanche là ? Ouais. Bah, je prie que vraiment, avant tes 29 ans, là, il se passe quelque chose. Ah bah, ok, mais c'est très gentil. Voilà, ça me fait plaisir. Une belle force. Hein, moi aussi, j'ai un peu plaisir. Mais tout lui donner, parce que je sais que t'as déjà prié et tout ça, mais. T'as peut-être pas prié en lui donnant tout. Ouais, ça c'est vrai. Le contrôle. C'est vrai, ça c'est vrai. Il veut pas 50%, il veut 100%. Tu m'étonnes, hein. Mais dans la société qu'on est là, c'est difficile de lui donner 100%, c'est ça le problème. Non, tu peux. On pense pas à tout ce qui se passe autour. Parce que, voilà, faut pas penser juste toi et lui. Ouais, je peux prier pour toi, Eric. Y'a pas de soucis. Ouais, maintenant je peux. Si tu veux. Ouais. Père, je prie que ta présence remplisse Loïc et qu'il puisse te découvrir d'une façon personnelle. Je te remercie pour son cœur, son désir de te connaître. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, il se passe quelque chose de nouveau dans sa vie. Et que tu lui donnes la force de tout abandonner à la croix, complètement. Et d'accomplir ta volonté dans sa vie personnelle. Remplis-le de ta présence maintenant. Viens le libérer de toute oppression au nom de Jésus-Christ. Amen. Il va se passer quelque chose. J'espère, mon frère. Hein. Voilà. J'attends ça depuis longtemps. Dieu va mettre des gens sur ta route, mais le choix, il t'appartient. Donne-lui tout, c'est une prière en fait. Hein. Oui, moi ça, quand il est 100%, j'y pense que t'inquiète. Ouais, c'est une prière que tu vas faire et ça va tout changer quoi. Ça va tout changer. Bon, en tout cas, bonne continuation. Ouais, merci. Merci, je connais ça pas. À la prochaine. Ouais. À plus tard alors. Ok, ben on continue bien. Merci. Ciao, hein. Si t'es internet et que tu te rappelles, je fais une émission, ça s'appelle Prière Inspirée. Prière Inspirée. Ouais. Tous les jours, il y a une nouvelle. Ok. Allez, bonne journée. Bonne journée. Salut Loïc. Bye. Alors après s'être fait intimider un petit peu, je retrouve donc un jeune sur ce pont. Et c'est vraiment, moi ça me surprend toujours, et en tout cas ça me bénit toujours de voir des jeunes qui ont soif de rencontrer le Seigneur, qui ont un cœur ouvert. Il y a des jeunes qui sont super gentils, alors profitez-en pour leur parler du Seigneur. C'est une super opportunité. Et je crois que cette rencontre, ce n'était pas un hasard, mais à cause de ces paroles qu'il a entendues, il va pouvoir faire une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus. Bonjour, vous allez bien ? Vous êtes blessé ? Ouais. Oui ? Ça fait longtemps ? Oui. J'aimerais bien prier pour vous, ça me ferait plaisir. Non. Non, vous voulez pas ? Ouais, bonne journée. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Ouais, c'est comment votre prénom ? Jean-Louis. Jean-Louis ? Vous allez bien ? C'est Jérémy. Ah ouais ? Ouais. Vous faites quoi ? Je encourage les gens dans leur foi. Pardon ? Je prie pour les gens. Moi aussi je prie. Ouais, vous priez ? Ouais, je suis catholique. D'accord. La religion catholique ? Ouais, je connais, ouais. D'accord. Ça va ? Ouais, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie ? Ça me ferait plaisir de prier pour vous, parce que le Seigneur vous aime. Ce qu'il faut à tout homme, c'est surtout premièrement la santé. Ouais. Après bon, de l'ordre parce que tout homme a toujours. C'est toujours efforcé de mettre de l'ordre dans sa vie. Ouais. Hein? Vous êtes en paix vous avec Dieu, vous êtes en paix dans la vie. Ouais. Je suis en paix avec tout le monde. Ça me ferait plaisir de prier pour vous. Il n'y a pas de soucis, moi je prie. Ouais. Ça va toi ? Tu as déjà fait des expériences un peu avec Dieu dans la religion catholique ? Ça va. Ouais. À la messe. À la messe ? Tu vas à la messe ? Ouais, deux fois. Quand tu as envie ? Je rencontre et des gens dans d'autres religions qui m'ont déjà proposé de venir avec eux dans leur machin. Après j'ai été, c'est bien. Ouais. Tu as déjà été ailleurs ou... Dans des églises évangéliques, tout ça ? Oui. Ouais. Mais que ici. Ici, ouais. Pas à l'étranger. Ah ok.
Mais c'est bien l'église et tout ça. Ouais. Dieu, c'est lui le boss. Tu lui as déjà donné ta vie? Ouais. Mais vraiment, concrètement? Concrètement, ouais. Moi, je t'encourage à le faire. Ça veut dire, tu sais, tout le monde prie, les gens prient beaucoup. Ouais. Les gens prient tous, mais il y a peu de gens qui ont compris qu'en fait, il faut pas juste prier, mais il faut donner sa vie entièrement. Et je suis sûr que tu as beaucoup de besoins dans ta vie. Croire en Dieu. Ouais, mais pas seulement, parce que tu sais, la Bible dit que même les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Bah, bien sûr, à cause de... Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais être sauvés, bien sûr, parce qu'ils ont peur de Dieu. Parce qu'ils sont jugés également. Parce qu'ils sont pas en raison. Ouais, et parce qu'ils ont rejeté Dieu. Voilà, c'est ça. Et l'homme aussi, des fois, il tremble quand il pense à la mort, parce qu'il a rejeté Dieu quelque part. C'est ça. Même les gens qui prient, tu vois, il y a des gens qui prient, les pharisiens, si tu as déjà lu un peu la Bible. Ils priaient, mais ils ont rejeté Jésus. Mmh. Et toi, peut-être que tu pries aujourd'hui, mais Dieu veut plus pour toi. Moi, je prie tous les jours. Il veut te sauver complètement, te libérer de tes péchés et te pardonner. Peut-être que tu as déjà beaucoup prié, mais je voudrais t'encourager à faire une prière qui vient du cœur. Oui. Moi, au début, je suis catholique, mais après, j'ai commencé à prier parce qu'avant, à force d'avoir des ennuis avec des gens et tout ça. Et après, je me suis ensorti. Mais je te souhaite une bonne journée alors. Merci. Je vais prier pour toi? Il n'y a pas de souci. Ouais, vraiment, je prie que la présence de Dieu te remplisse. Tu peux prier maintenant, ouais? Non, c'est pas grave. Comme je suis un peu pressé. Il n'y a pas de problème. Comme je ne joue pas faire. En tout cas, que le Seigneur te remplisse vraiment de son amour, de sa paix, de sa joie. Toi aussi, c'est donne-lui tout ton cœur. C'est réciproque. Dis-lui de changer ta vie. Crie vers lui, il va le faire. C'est réciproque, il n'y a pas de souci. Il faut que tu sois prêt à tout lui donner. Il n'y a pas de souci. Juste un peu. D'accord. Tout. Bonne journée. Il va le faire, et bonne journée. C'est bye. Quoi toi? Jérémy. Jérémy. Allez. À plus. Bye. Bon, alors en vous promenant dans la rue, vous rencontrerez parfois des gens qui fouillent dans les poubelles. Alors ils ont besoin de manger, c'est vrai, mais ils ont besoin surtout de connaître le Seigneur Jésus-Christ qui est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Bon, voilà, j'ai un peu parlé avec cette personne-là, ce jeune, qui n'est pas forcément très ouvert à l'évangile, mais c'est pas grave. Continuez à semer la parole de Dieu autour de vous. Pardon. Ça va, je vais. Vous y allez? Bonjour. Bonjour. Vous voulez que je vous aide? Je vais vous aider à la porter dans le. Ah oui. Allez-y, allez-y. Ça va, bon. Merci, monsieur. Bonjour. Je vous mets ça ici. Avec plaisir, madame. Je vous mets ça là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Oui. Oui. Je prie que chacun d'entre vous puissiez le connaître personnellement. Il veut vous libérer, hein, madame? Madame, il vous aime, le Seigneur. Je prie qu'il vous libère. Comment il faut faire avec Jésus? Comment ça se passe? Il faut reconnaître ses péchés. Ça veut dire qu'on a tous péché un jour. On ne peut pas être sauvé par soi-même. On a besoin de mettre notre confiance que Jésus a porté nos péchés. On ne peut pas être pardonné par nous-mêmes, mais simplement en recevant ce que le Seigneur Jésus a fait à notre place. Il est mort à notre place parce qu'il nous a tellement aimés. Et il vous aime et il vous connaît, vous madame aussi, avec les belles boucles d'oreilles jaunes. Il veut vous pardonner parce qu'il vous aime. Et ici, beaucoup de gens sont religieux, beaucoup de gens vont dans les églises, beaucoup de gens prient, mais peu ont donné toute leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, certaines fois. Vous l'avez connu? Oui, je l'ai connu, mais je ne l'ai jamais vu. Vous l'avez jamais vu? Non, il s'est pas présenté à moi. D'accord, donc vous avez cru sans avoir vu. Ouais. C'est pas grave de croire sans avoir vu, mais je prie que vous puissiez faire une expérience personnelle avec Jésus. Je l'ai vu, entendu. D'accord, c'est bien. C'est bien de l'avoir entendu. Maintenant, il veut vous sauver tous. Vous ne le connaissez pas? Alors faites cette prière. Quand vous serez à la maison, et ceux qui le désirent, quand vous allez rentrer ou tout à l'heure dans le bus, dites-lui: Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai déjà prié beaucoup dans ma vie, mais cette fois-ci, je veux plus simplement prier. Je veux que tu viennes me sauver, que tu viennes me libérer de mes péchés, et que quand je vais mourir, j'ai la certitude
d'être sauvé. Je veux vivre maintenant à 100% pour toi. La religion, c'est faites des œuvres et peut-être que le Seigneur vous pardonnera. La véritable foi, c'est il a fait toutes les œuvres et il veut vous pardonner gratuitement. On est gratuitement justifié par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui nous sauve, pas les œuvres, pas les prières, pas le fait d'aller à l'église. C'est la foi en Jésus-Christ. Je place ma foi pas en moi-même, pas en mes propres œuvres, je place ma foi en ce que lui, il a fait. Quand l'homme s'humilie et qu'il reconnaît que c'est lui qui l'a tout fait, c'est lui qui a tout fait pour nous, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ vient prendre la place, parce que jusqu'ici, l'homme gardait la place en fait de Dieu par ses œuvres, par son orgueil, parce qu'en fait, l'homme voulait contrôler. Mais quand on donne toute notre vie à 100% à Dieu, alors monsieur, il va vous sauver et ce sera plus que quelques paroles que vous avez entendues, mais une véritable expérience avec lui. Et madame, je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes libérée de tout esprit impur. Au nom de Jésus-Christ. Faites cette prière, monsieur. Hein. Dites-lui, je te donne toute ma vie. Vous pouvez le dire, là? Il y en a qui croient en Jésus-Christ, ici? Ah oui. Moi, je lui parle tout le temps. C'est bien. Je lui parle tous les jours. Parlez de lui aussi autour de vous. Hein. C'est grâce à lui si je suis toujours là. Amen, c'est super. Parce qu'on fait tout pour me détruire, mais je suis toujours là. Ouais, ok. Grâce à lui. Bon travail, monsieur. Hein. Et vous aussi, le Seigneur Jésus vous cherche et il vous aime. C'est bien votre travail, mais vous pouvez ne pas être seul. Il veut vivre en vous. Bonne semaine à tous. Merci à vous aussi. Bye. Merci, bye. Merci pour vos sourires. Pour toi aussi, jeune fille. Bye. Je vais le fermer pour vous. Hein. Merci. Bye. Alors, certains d'entre vous, vous prenez les transports en commun et parfois le bus. Ici, bon, je suis entré dans le bus et j'ai commencé à partager l'évangile en quelques instants avec des gens qui avaient envie apparemment d'entendre parler de Jésus. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez entrer dans un bus et parler aux gens individuellement, mais vous pouvez également leur parler au groupe. Vous pouvez parler au groupe de personnes qui sont là dans le bus. Il y a des gens qui vont vous poser des questions peut-être, il y a des gens qui vont vous paraître fermés. Et tout à coup, vous allez voir différentes personnes et pouvoir peut-être vous asseoir à côté de quelqu'un et partager votre foi, prier pour cette personne. Vous aussi? Il n'y a pas de pétard. Ouais. Mais tu nous mets un bon slogan, un bon truc normal. Hein. Tu nous mets pas comme des crabes. Hein. Non. Tu peux bien filmer tous les légumes bien comme il faut. Bien tranquille. Hein. Tu peux bien nous filmer s'il n'y a pas de pétard. Non, pas de problème. Ah, c'est des beaux légumes, ça. Hein? Ouais, tout à fait, c'est des petits ronds, ça. Des petits ronds? Ouais, c'est ce qu'on appelle du jouremont. Waouh, wow. Ils sont balèzes. Il n'y a pas de souci, ça ne nous gêne pas. Je prie pour les gens. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a mal quelque part? Qui a? Il y a quelqu'un d'entre vous qui a mal quelque part? Non, pour l'instant, non. Ça va? Non, ça va. Ouais. Ça va. Tu fais des prières? Ouais. C'est excellent, j'ai un pied. Tu me fais une petite prière dessus? Vous avez une douleur à un pied? Oui. C'est où? C'est là. Ici, là? Oui. Vous sentez une douleur en ce moment? En ce moment, bon, il fait un petit peu de mal. D'accord, ouais. Ok. Vous êtes fait ça comment? Vous vous êtes fait ça comment? Jamais été fait couper par une machine, une meule. D'accord, ouais. Ok. Père, je te remercie pour ta puissance, parce que tu aimes cet homme. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ à toute douleur de partir. Seigneur, merci. Vous pouvez regarder? Vous pouvez bouger le pied? C'est comment? Vous sentez une douleur maintenant? Non. Vous sentez plus de douleur? Non. Non? C'est une blague. Non. Vous sentez plus rien là? C'est le Seigneur qui vous a guéri. Je sens que c'est engourdi, mais... Ouais. Le Seigneur est vivant. Hein. Il est réel. Oui. Maintenant, j'ai toujours su qu'il était réel, mais bon. Ça va dégonfler complètement. Et maintenant, le Seigneur, il veut non seulement toucher votre pied,
mais il veut toucher votre cœur. Et je sais que vous avez certainement prié un jour, vous avez même demandé un jour à le rencontrer, mais il veut vous sauver complètement. Pour ça, il faut se décider à tout lui donner. Je lui donne tout. Vous êtes prêt aujourd'hui à recevoir Jésus-Christ dans votre vie ? Tout à fait. Pas seulement comme celui qui vous, qui vous sauve, mais celui qui veut vous diriger aussi. Tout à fait, ma lumière aussi. En plus, vous avez un petit verset qui est affiché là, sur votre bracelet. D'accord, c'est quelqu'un qui vous a donné ça ? Oui, ça fait longtemps que j'ai ça. D'accord. Ça fait des années et des années que je les ai. Ben, ce Dieu-là qui, dont il est parlé sur votre bracelet, il veut vivre dans votre cœur. Ah ben, il n'y a pas de souci, ça me fait un grand plaisir. Ouais. Ça va, là, le pied ? Vous pouvez marcher dessus ? Oui. Où je marche ? Vous pouvez regarder ? Oui, j'ai toujours su marcher dessus. Hein. D'accord. Oui, mais ça fait un peu mal, mais j'ai un peu de douleur. Je marche toujours dessus. Mais là, c'est parti. Je sens comme si qu'il est engourdi mon pied. Ouais, ça c'est parfois quand on prie, c'est ce qui se passe. C'est Dieu qui est en train de guérir tous les éléments. Des fois c'est des picotements, des fois c'est une chaleur, des fois c'est froid, des fois c'est engourdi. C'est Dieu qui est en train d'agir. Comme des fois à l'hôpital qu'on peut masser votre pied ou. Tout à fait. Bah là c'est le Seigneur qui le fait lui-même et là ça va marcher à 100%. Mais merci Seigneur, merci Dieu. Ouais. Merci. Vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose, hein? Merci à vous. Je vous encourage vraiment, hein, chacun de vous, à demander à Jésus de vivre en vous. Merci à vous. Avec plaisir. Merci énormément. Et je vous remercie pour ce que vous faites et je voulais bien que vous continuiez à faire du bien à tout le monde. Merci. Vous avez un beau cœur. Eh bien oui. Vous avez un beau cœur. Ça m'a fait plaisir, hein, de te rencontrer. Hein. Bon. Merci. Hein. Ah non, hein, merci. Ouais, sois rempli. Que Dieu te bénisse. Hein. Sois rempli de la présence de Dieu. Que tu peux toujours nous donner de la bonne parole. Merci. Et que ta parole nous bénit et nous donne de la force et le courage et qu'on arrive toujours à faire les bons choix. Merci à toi. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. Hey, bye. À la prochaine, merci. Il faut que les gens achètent. Amen. Je prie pour le succès pour toi. Amen, merci. J'arrive à ce camion avec ce vendeur super gentil et quand je propose au départ de prier pour lui, et de prier pour eux, personne ne me dit qu'ils ont mal quelque part, mais quelques instants plus tard, il me dit qu'en fait, il a vraiment mal au pied. Donc je prie pour lui, j'appose ma main sur lui tout tranquillement, et finalement, il ressent que les douleurs sont parties, et comme vous voyez, il est un peu surpris. Je n'ai rien senti de particulier, mais j'ai simplement apposé ma main sur lui, et le Seigneur a manifesté une guérison. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est pas grave, on continue, on croit que le Seigneur guérit. Maintenant, il y a certains cœurs incrédules, ou parfois notre manque de foi qui nous empêche d'obtenir les résultats qu'on souhaiterait. C'est pas grave, on continue, et je vous encourage à continuer. Vraiment, si vous écoutez cette émission, Dieu vous appelle à imposer les mains sur les malades. Alors, faites-le et continuez à briller au cœur du monde. Qu'est-ce que vous avez eu ? Oh, je sais pas, je suis né comme ça. Hein. Ah bon ? Oh ouais. Et c'est quoi ça ? C'est une jambe plus courte que l'autre ? Eh bien, je pense que j'ai une jambe plus longue que l'autre. Ah oui ? À mon avis. Moi, ça vous dérangerait de vous asseoir quelque part ? Moi, je peux prier pour vous. Et je crois vraiment que Dieu peut rallonger la jambe qui est plus courte que l'autre. La rallonger ? Ouais. Dieu fait des miracles incroyables. Là, on pourrait prendre un instant. Je pourrais prier pour vous, pour que vous puissiez marcher normalement. La jambe ? La jambe. La jambe est déjà déformée. Hein. Ouais, mais Dieu peut la changer. Vous pensez ? Ouais. Peut-être que vous pouvez vous asseoir ici, allez, ou je vais prier pour vous. Deux minutes. Deux minutes, hein. Attends. Alors, mettez les jambes ici, là. Pour voir un peu, pour voir laquelle est plus... vous avez la difficulté à la... Non. Non ? Ok. D'accord. Ok. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à cette jambe d'être droite. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a provoqué les problèmes dans cette jambe disparaît. Seigneur, rétablis la jambe de cet homme. Toute arthrose disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Tu laves, hein ? Posez l'autre à côté. J'ai passé de voir. Posez l'autre à côté. Vous voyez ? Je vais passer te voir. Ouais, celle-là, je crois qu'elle doit être plus longue, celle-là. Ok. Au nom de Jésus-Christ,
que ses jambes redeviennent parfaites maintenant. Jambes, tu te rallonges au nom de Jésus-Christ. Allez-y, marcher. C'est pas vrai. Voilà, vous voyez. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est pas grave. On continue. On croit que le Seigneur guérit. Maintenant, il y a certains cœurs incrédules ou parfois notre manque de foi qui nous empêche d'obtenir les résultats qu'on souhaiterait. Mais c'est pas grave, on continue. C'est une jambe qui est trop longue. Celle-là, elle est depuis enfant. Je suis comme ça. Vous croyez en Jésus? Si je crois. Ouais. Si je crois. Vous lui avez donné votre vie? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Pas encore. Pas encore. Mais si il la veut. Il la veut. Il la veut. Il la veut. Vous savez comment on fait? Non. Non? Il faut le dire, Seigneur Jésus, je prends la décision de te donner toute ma vie. D'accord. Prends ma vie, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Ça, pour celui-là, je dis ça. Ça, ouais. Mais vraiment, dites-lui de venir vous sauver complètement. Parce qu'il est venu pour mourir pour vous. Mm-hmm, je sais ça. Il est venu pour pardonner vos péchés, ça vous le savez. Oui. Mais maintenant, il faut lui donner votre vie. D'accord. Vous seriez prêt à lui donner votre vie? Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour vous. Ça, c'est vrai. Vous pourriez lui dire simplement, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie. D'accord. Okay. Vous seriez d'accord de lire avec moi? Je lui dirai mais ça. Mais de votre cœur. Oui. Dire, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie. C'est promis. Je ferai. Vous le ferez. Je ferai. Donnez-lui tout. Vraiment. D'accord. Croyez en fait qu'il est mort pour vous. Si, je crois. Il est ressuscité. Au moins, je crois. Mais non seulement ça, mais maintenant de lui donner votre vie. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on est sauvé. On peut croire en lui, mais même les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Ça, c'est vrai, ils ont peur. C'est ça. Ça, c'est vrai. Hommes qui n'ont pas fait d'expérience vraiment avec Dieu, qui ne leur ont pas donné leur vie, ils tremblent face à la mort. Ils ont peur parce qu'en fait, ils n'ont pas la paix. Oui. Ils n'ont pas l'assurance. Ça veut dire qu'ils ne croient pas à 100% qu'ils vont retrouver le Seigneur parce qu'en fait, ils ne sont pas pardonnés. Ils n'ont pas la paix avec Dieu. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir la paix avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Mais en lui donnant toute votre vie également. Vous avez un cœur ouvert, monsieur. Si. Mais ce serait dommage de mourir sans le Seigneur ou de mourir juste en ayant prié, etc. Ou lu la Bible. Il faut qu'il vive en vous et que vous viviez en lui. C'est-à-dire donner votre vie, en fait, au Seigneur. C'est d'accord. Vous allez le faire, hein? Je vais le faire. Donner votre vie au Seigneur. C'est comment votre prénom? Esnar. Oui. Moi, c'est Jérémy. Jérémy. Je prie que son amour vous remplisse. Merci beaucoup. Maman, que son amour vous remplisse. Oui, merci, c'est gentil. C'est gentil de ta part. Allez, faites cette prière. Salut, à bientôt. Attendu. Bon, ça va? Allez, vous êtes courageux. Oui. Je parle. Sur vous? Non, pas sur moi, pour moi, sur moi. Mais parce que je connais votre vie. Vous connaissez ma vie déjà. Ah oui? Oui, je m'en dis qu'on parle partout. Ah oui? Oui. Vous travaillez fort en tout cas, hein. C'est pas ta raison, on a la résistance. Ah oui? Oui. D'accord. Oui. Vous connaissez? Oui. Vous connaissez Jésus? Oui, mais c'est moi qui est Jésus. On va lire ce que je veux dire. On va lire ce que je veux dire, ça c'est. Oui. Au trouble? Le trouble. Et c'est quoi que le trouble? Après vous? Je sais pas. Ah ben, ça c'est intéressant ça. Eh ben, le trouble, ça veut dire que c'est la mer. D'accord. Ça veut dire que c'est la mer. Et parce que l'eau est toujours trouble. Ça veut dire que quand tu es dans l'eau trouble, ça veut dire qu'il y a soit du vinaigre, soit de l'alcool ou soit du sel. C'est poivre, sel, vinaigre. Yeah. Et l'eau trouble, c'est en particulier, on dit que c'est la mer. Hein? L'eau trouble. Hein? Oui. D'accord, ouais. Parce que quand tu rentres dans l'eau, tu ne peux pas ouvrir tes yeux dans la mer. Ça veut dire dans la rivière, tu peux ouvrir tes yeux. Ok, ok. Et ça veut dire que quand tu ouvres tes yeux dans la rivière, tu peux voir, tu vois ces troubles. Et la mer, tu ne peux pas les ouvrir. Quand tu les ouvres, ça te boule. Tu es obligé de fermer les yeux. Ah ouais. C'est ça que... Mais vous savez que dans votre cœur, l'eau elle est trouble. Oui. Le cœur est rempli des ténèbres. Et pour que les ténèbres s'en vont et que la paix vienne, il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Oui. Mettre votre foi en Jésus-Christ et il va venir enlever les ténèbres et l'eau trouble dans votre cœur pour mettre sa paix. Je vous encourage à faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Viens me sauver. Oui, le Christ que je suis. Il vous aime, Jésus. Comme tu dis, le cœur. Le corps est trop puissant. J'ai déjà un problème au cœur. Ah, vous avez un problème au cœur? Oui. D'accord. Je prie. Je prie pour vous. Je peux? Oui. Vous pouvez. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tout problème de cœur disparaisse. Au nom de Jésus-Christ.
Oui, mais... Seigneur, je déclare ta guérison maintenant parce que tu aimes cet homme, tu veux le sauver, remplir son cœur et enlever les eaux troubles de son cœur pour le remplir de ta paix et de ta présence. Amen. Merci Seigneur, amen. Amen. Rappelle-toi, hein, il enlève les eaux troubles. Vous aussi, rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site evangeliste.com.